Comment va ta nana? Ah, elle est partie. Partie? Partie où ça? Partie en fac. La fac de médecine en Californie. Ah ouais? Ouais. Elle est partie quand? Il doit y avoir une semaine. Ça craint, ça. Ouais. Ça sera fini quand tes entretiens? La semaine après mes 21 ans. Ouais, ils vont te trouver un job, quoi. Oui, les fesses. Les fesses sur une chaise à faire une longue division pendant 50 ans. Ouais, mais probablement bien payé. Je vais être un putain de rat de labo. Mieux que cette merde. Au moins, tu te sors d'ici. Ouais, pourquoi? Pourquoi je devrais m'en sortir? De toute façon, il va falloir que je vive ici le reste de ma vie. Ouais, toi et moi, on sera voisins, tu sais. On aura des gosses, on les emmènera jouer au baseball à Foley Field. Écoute, t'es mon meilleur ami, alors va pas le prendre mal, mais dans 20 ans, si jamais tu... Si t'habites encore ici, et que tu viens chez moi pour voir les matchs à la télé, et que tu bosses encore sur le chantier, je peux te dire que je te tue. C'est pas une menace, hein, c'est un fait, crois-moi, je te tue. Je peux savoir de quoi tu parles. Écoute, tu as quelque chose que n'a aucun ami. Ah, ça va. Pourquoi c'est toujours le même baratin? Tu te le dois à toi-même de le faire. Et si j'ai pas envie de le faire? Non, c'est pas à toi que tu dois quelque chose, vieux. Tu le dois à moi. Parce qu'un beau matin, je vais me réveiller et j'aurai 50 ans. Et je ferai le même boulot à la con. Et ça fait rien, ça, c'est bien. Mais toi, t'es assis sur un billet de loterie gagnant. T'es trop lavette pour te le faire payer. Et ça, c'est de la connerie. Tu vois, moi, je ferai tout pour avoir ce que tu as. Comme tous les autres mecs ici, d'ailleurs. On prendra ça comme une insulte si t'es encore là dans 20 ans. Traîner ici, c'est une putain de perte de temps pour toi. T'en sais rien. J'en sais rien? Non, t'en sais rien. Ah, j'en sais rien. Bah, je vais te dire ce que je sais. Tous les jours, je passe chez toi et on repart ensemble. Et on sort, on va se taper des verres et on se marre bien, et c'est super. Et tu sais le moment que je préfère? Les 10 petites secondes où je viens me garer devant chez toi et je monte te chercher. Et je me dis, peut-être que je vais monter et frapper à la porte et que tu seras pas là. Pas d'au revoir, pas un de ces jours, rien du tout. T'es plus là. Je sais pas grand-chose, mais ça, je sais.